Ouais, coureur du jour, c'est vrai que c'est effectivement difficile sur une étape comme celle-ci. Après, je penserai à Johan que j'ai vu plusieurs fois récupérer les bidons. C'est vrai qu'on a vu une chaleur assez importante aujourd'hui sur les routes du Tour de France et c'est très important pour les leaders d'avoir ses équipiers qui puissent ramener à l'avant du peloton des bidons pour se rafraîchir et boire. Donc Johan a fait ça plusieurs fois dans la journée, donc ça va être l'homme de la journée.